L'aide humanitaire n'entre qu'au compte-goutte dans la bande de Gaza, mais le manque de carburant se fait particulièrement crier en ce midi, Sylvain, euh, au point que, que l'ONU pourrait devoir cesser ses activités sur place. Oui, il y a une agence de l'ONU sur place qui s'occupe des réfugiés palestiniens et cette agence là dit qu'on est à la veille là, de devoir cesser les activités sur place. On vient en aide notamment aux hôpitaux. Pourquoi Ben essentiellement c'est que si au compte-goutte là on reçoit effectivement de la nourriture, de l'eau et des médicaments au compte-goutte, je dis bien. En ce qui concerne le carburant, ça c'est beaucoup plus compliqué et à tel point que ce carburant commence à manquer dans les hôpitaux, avec les conséquences, évidemment, qu'on peut imaginer. On parlait cette semaine, d'ailleurs, des poupons, là, par exemple, là, qui sont dans des incubateurs. À tout, tout arrêt d'électricité menace la vie de ces petits bébés à ces endroits. Et l'aide, donc, euh, doit reprendre, dit l'ONU. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a encore des bombardements massifs. Là. On parle encore de... De bilan extrêmement élevé, selon les sources du Hamas, 700 morts en 24 heures encore. Ça s'ajoute pour un bilan qui dépasse maintenant les 6500 morts dans la bande de Gaza. Simplement vous dire que les Nations unies sont critiquées de tous les côtés et hier, Antonio Guterres, là, qui est le secrétaire général, s'est fait semoncer par Israël. Parce qu'il avait dit qu'il faut bien voir que cette attaque du Hamas qu'il a dénoncée survient dans un contexte particulier, évidemment, d'exacerbation des Palestiniens dans la région. Euh, ça a amené Israël à, à demander sa démission. Il a réagi ce matin, Guterres. Écoutez-le. I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. I also clearly stated, and I quote, but the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas. Bon, les positions des, dans la région se cristallisent. Oui, voilà. tout à fait. Vous allez voir, là, Emmanuel Macron, qui est encore dans la région, a rencontré notamment le président euh, de l'Égypte, euh, Fadel al Sisi. Euh, essentiellement, là, il commence à y avoir une gangue dans la région. On demande un arrêt de ces euh, bombardements-là. Et euh, le début, à tout le moins, d'un semblant de discussion. Mais là, euh, Recep Tayyip Erdogan, en Turquie, euh, est allé lancer de l'huile sur le feu, dénonçant Israël, annulant donc euh, son voyage qu'il devait faire euh, en Israël. Il accuse l'Occident d'hypocrisie dans ce dossier-là. Euh, les tensions montent dans la région. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.